Bon après-midi tout le monde. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us here in Ottawa as we wrap up a very successful First Minister's meeting. The Premiers and I spent today talking about our shared commitment to the middle class and how best we can help Canadian workers and families. I started the day meeting with our partners in the Assembly of First Nations, the Inuit Tapirit Kanatami, and the Métis National Council. C'était l'occasion pour nous de discuter de leurs priorités en vue de rehausser le développement économique et social. Ensuite, les premiers ministres se sont joints à nous et nous avons parlé de l'importance d'inclure les Autochtones lorsqu'il est question de la croissance économique générale du Canada. Les premiers ministres et moi avons ensuite reçu de l'information récente au sujet de la croissance économique et de la création d'emplois de la part du gouverneur de la Banque du Canada et de notre statisticien en chef. Cette séance d'information a été suivie d'une table ronde où il a été question des priorités économiques que nous partageons. Le ministre Morneau s'est aussi joint à nous afin d'expliquer ce que nous faisons pour rendre le régime fiscal plus équitable. With record growth numbers over the past year, it becomes very clear. Our plan to grow the economy, create jobs, and help the middle class is working. The premiers and I also discussed Canada-US relations. Minister Freeland and Ambassador McNaughton talked about the modernization of NAFTA and other trade issues and reiterated our government's commitment to getting the best possible deal for Canadians. We also discussed the impending legalization and regulation of cannabis with Parliamentary Secretary Bill Blair. By July 2018, we'll have a new system in place, one that will keep cannabis out of the hands of our kids and keep profits away from organized crime. The Premiers and I then talked about how all orders of government can work together to implement this change effectively. Comme toujours, c'était un grand plaisir pour moi d'accueillir la rencontre des premiers ministres aujourd'hui. C'est la quatrième fois qu'on se rejoint comme ça depuis moins que deux ans et c'est toujours des bonnes conversations. Nous sommes déterminés à échanger régulièrement avec nos partenaires des provinces et des territoires, ainsi qu'avec les dirigeants autochtones sur les dossiers qui comptent pour tous les Canadiens.